aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un agenda et pas n'importe lequel le tout nouvel agenda de parole de sorcière de Véronique Ici vous la voyez de Véronique Arnaud qui m'a contacté pour voir si euh, ça me ferait plaisir de le recevoir pour pouvoir le partager avec vous. Et évidemment j'étais trop contente vu que je, le, bah, je vous le présente depuis, euh, depuis le tout premier. Donc ça fait déjà quelques années hein, et c'est un de mes agendas préférés. Je vous remonte vite fait celui de l'année passée qui est avec une petite licorne. Voilà. Et. Euh, je ne l'ai même pas encore ouvert, regardez. Je me suis dit qu'on allait euh, ben l'ouvrir et voir les premières impressions ensemble. Voilà. Euh, donc ici, on nous dit hein, euh, un petit mot. Euh, L'agenda du coup 2024-2025. Donc il commence en septembre 2024 jusqu'octobre 2025. Cette fois-ci, on est bien à l'avance. Vu qu'ici il est en précommande et il sort, il me semble le 8 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc on est bien à l'avance, on l'aura bien à temps pour le mois de septembre, sans problème. Donc ici on a la photo de Véronique Arnaud, parole de sorcière. Euh, elle a également une chaîne YouTube où elle poste des chouettes choses. Elle a un site également. Alors ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la jeune bah, Un outil de développement personnel, des rituels de beauté, de guérison, d'introspection, des rituels adaptés aux phases de la lune. Des des recettes de cuisine magique un compagnon du quotidien pour vous initier à la magie sylvestre donc cette fois-ci euh, il me semble qu'il est plus basé euh, sur euh, la magie sylvestre si j'ai bien compris, du coup, un peu de la nature des forêts. Alors ici, on, pour les 100 premières commandes sur le site des éditions d'un vous recevez ce petit brûlant sang en cadeau. Ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, j'étais trop contente, parce qu'il est trop mignon, donc il est en laiton, regardez, avec des petites lunes, il est trop joli, euh, et je n'en avais pas, euh, pas un si petit en tout cas, euh, et du coup, il va rester là. Voilà, il fait 6 cm, je suis très très contente. Voilà, donc ça c'est la petite histoire. Si jamais vous avez envie d'un brûlant sang et que vous voulez passer commande sur votre site, bah, n'hésitez pas. Et sinon, moi je vous mettrai comme d'habitude mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là, euh, d'en avoir de description. Voilà. Donc ils me l'ont envoyé comme ceci. Regardez comme c'est joli. Il est emballé comme un paquet cadeau avec des petites fleurs séchées. Je trouvais ça trop joli. Donc je vais le défaire. J'aurais peut-être dû défaire le nœud. Enfin, je voulais vraiment vous montrer comme c'était joli. J'espère juste que je vais pas mettre 10 ans à défaire ce nœud. Non, ça va. Hop, hop, hop. On va y arriver. Hein. J'aurais déjà mis une minute pour défaire le nœud. Voilà. J'aime bien ce style de papier un peu craft comme ça. Voilà. Bon, désolé pour le bruit du coup que ça fait. Hein. Du coup c'est chouette ben, qu'on l'a déjà en prévision de septembre pour ceux qui veulent déjà noter des choses dedans. Bon je vais me reculer un peu pour le déballer, pour vous éviter le bruit. Voilà. J'ai déjà aperçu la couverture sur, sur le site et il est très 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 joli. Voilà. Avec ici un... Un décor avec un, des champignons, c'est très très joli. Il a une couverture. Hein, couvert, une couverture dans les tons verts du coup. Vert euh, bah, vert sapin justement. Euh, toujours une belle couverture euh, en carton, hein, voilà. C'est toujours un gros bébé, hein, comme les autres années. Voilà. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Alors, la vie est tellement plus jolie saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous laissiez la magie vous guider La magie est partout dans la nature, dans nos campagnes et en chacun de nous. Pourquoi pas dans votre quotidien aussi Quoi de mieux que cet agenda grimoire pour organiser votre année sorcière Vous y découvrirez en plus des classiques semeniers, les phases lunaires, des recettes de cuisine magique, des rituels, etc. Tout pour planifier vos journées au rythme des saisons et créer votre propre univers magique, un univers unique et personnel. Cette année encore, Véronique, alias Parole de Sorcière, vous aide à organiser votre quotidien de sorcière grâce à ses conseils et astuces. Des petits grains de magie à semer partout dans votre vie. Elle vous emmène cette fois-ci à la rencontre de la magie sylvestre pour une année au plus proche de la nature. Donc c'est agenda de septembre 2024 à octobre 2025. Voilà, voilà. Et ici, vous avez son site Instagram. Donc il est au prix de 24 euros comme l'année passée, donc ça c'est chouette et il est euh, aux éditions euh, Danaï que je remercie euh, mille fois pour euh, cet envoi. Comme d'habitude, on voit ici hein, que chaque mois euh, a une couleur euh, différente, du coup ça fait un très joli arc-en-ciel. Et bah, tant que j'y suis, je vais vous montrer ici, on a toujours ce fameux petit ruban euh, marque-page qui est toujours très pratique aussi. Donc, comme je vous dis pour les, bah, les autres éditions, hein, ce n'est pas un agenda euh, qu'on va mettre, glisser dans son sac à main, parce qu'il est quand même grand format. C'est plus un agenda qu'on va laisser euh, sur son bureau ou à la maison, euh, sur son hôtel euh, ou que sais-je, pour noter. Euh, ça peut être soit ses rendez-vous, soit euh, les deux, rendez-vous et pratiques et toutes les petites infos. Voilà. Mais euh, ce n'est pas celui qui est le plus, euh, le plus léger à transporter, parce qu'il pèse son, son pesant quand même. Hein. Il y a beaucoup de pages. Du coup, on va le découvrir ensemble. Du coup, je crois que je vais devoir vous abaisser un peu comme ça, elle reculer. Sinon, je vais avoir du mal à l'ouvrir avec la bougie. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Voilà. Donc, on a toujours euh, ce papier euh, effet parchemin, très épais, très joli. Ici, regardez, j'aime beaucoup ce motif ici avec euh, le pentacle. Ici, fait avec du bois et ces champignons. Ça, ça me donne directement envie de, de sortir mes crayons pour le colorier. Bon, on va regarder comme d'habitude hein, le début, puis on regardera un ou deux mois. Euh, on ne va pas feuilleter tout l'agenda non plus. Waouh, regardez les couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, si cet agenda appartient à, si vous le trouvez, merci de me contacter avec téléphone mail ou l'envoyer à cette adresse. Ça, c'est comme, euh, comme chaque fois, on a ça dedans. J'adore euh, ces champignons ici. Ici, on a toujours présentation et base avec bah, des, petites, euh, des petites infos. La magie sylvestre, histoire, mystère et pouvoir de la forêt. Voilà, donc j'avais bien euh, compris. Donc évidemment, elle change les thèmes chaque année. Sinon, euh, bah, ce serait redondant de retrouver à chaque fois le même contenu. Donc ici, il est dédié à la magie de la forêt. Donc c'est chouette aussi. Pour tous ceux, les amoureux euh, de la forêt, bah, c'est super chouette. Voilà. Donc ici, elle vous explique un petit peu. Euh J'adore l'illustration ici. Les bases, voilà. Quelques bases et les outils avec la magie des éléments ici. Air, feu, terre, eau. Ma la magie des jours et des planètes. Les rituels à faire en fonction des jours et des planètes. La magie du temps aussi. Alors, magie du temps, avec les moments ici, moments culminants, la magie des couleurs, et ici, regardez comme c'est joli, ces petites chioles de couleurs, la magie de l'eau, la magie des huiles. Donc, on a vraiment, euh, bah, comme d'habitude, hein, des, des chouettes infos. L'ancrage, respiration, la fameuse roue de l'année, sol et lunaire, avec la date des fêtes pour 2024-2025. Donc, ça, c'est chouette aussi. Ouais, ici, on retrouve les sabbats. Et ici, on a du coup, euh, ici les sabbats marqués. Donc ça, c'est chouette aussi. Toutes les dates, bon, on les retrouve aussi euh, au fil euh, de l'agenda, évidemment. Toutes les lunaisons, ça, c'est chouette aussi pour savoir les, les nouvelles lunes, les pleines lunes. Elle a mis les éclipses également. Donc ça, c'est super chouette d'avoir ça sous la main aussi. Pour ceux, évidemment, qui font les rituels euh, avec la lune, etc. Les phases lunaires et leur symbolique. Donc ça, c'est chouette aussi. Nouvelle lune, les, les quartiers, dernière lune. Ça, on avait déjà l'année passée aussi. Hein, la page du jour anniversaire, le jour de son anniversaire, est un jour à marquer d'une pierre. Et eh bien ici, elle vous dit vous mettez les objectifs, bilan, et vous y retournez bah, peut-être l'année d'après pour voir où vous en êtes. Les clés du journal. Donc, si on retrouve tous les symboles qu'on va retrouver, euh, les petits pictogrammes euh, au fil des pages hein, du, du, de l'agenda, du coup des infos pratiques et ici on commence au mois de septembre le mois de la rentrée le mois de mon anniversaire voilà le mois de l'automne aussi hein, qui est ma saison préférée euh, et ici on a euh, des magnifiques petites fleurs et ici regardez comme c'est magnifique cette fois-ci c'est un peu comme euh, c'est pas une boule à neige c'est vous savez euh, comme euh, des, des petites postures qu'on met parfois sous cloche comme ça et regardez cet escargot il y a des cristaux et des champignons euh, sur sa carapace, c'est tellement beau. Bon moi, ça, j'adore les coloriers. ça me détend. Puis on, ici, on a euh, la vue du coup euh, bah, du mois complet. Hein. J'aime bien toujours un peu effet washi tape, comme ça. On retrouve euh, les phases de la lune, forcément si y a un sabbat, on le retrouvera également. Ici, elle vous a mis premier jour de l'automne avec le sabbat de Mabon, l'éclipse lunaire partielle le 18. Voilà ici. Donc là, vous pouvez marquer soit des petits symboles. Euh, Soit des petites choses, voilà. Ma wish list du mois avec ce que vous vous avez envie d'accomplir, voilà, ça c'est chouette aussi. Ou enfin ce que vous avez envie d'accomplir ou tout simplement euh, ce que vous avez envie d'acquérir, un jeu, euh, livre, voilà. Et ici j'adore avec la petite fille Alice et les livres. Il y a plein de petits éléments comme ça euh, qu'on peut colorier. C'est ça que j'aime bien. Même ici, vous voyez, le mot septembre se prête à être colorié aussi. Voilà, donc ici on retrouve le fameux bah, tracker que moi j'aime beaucoup. Hein, euh, au rythme des saisons de septembre, vous, vous avez tous les jours de l'année les phases de la lune et euh, vous pouvez du coup colorier chaque jour matin et après-midi par exemple. Hein, si vous êtes au top, motivé, inspiré, bien, malade, triste, etc. Et euh, vous pouvez même en rajouter d'autres. Hein. Regardez ici les petites feuilles de lierre comme c'est joli. Alors ici, euh, on retrouve la nouvelle lune en vierge et bah, comme à chaque fois, on retrouve ici des petites infos, des mots-clés, focus sur, toutes les correspondances avec euh, la couleur des bougies, les éléments, les pierres, les plantes, les encens. Ici, elle vous, elle vous donne un petit mot dessus et puis on a un rituel. Voilà, et puis on a le premier jour ici avec le dimanche. Voilà, guidance de la semaine. Ah, Du coup, on a une petite guidance. Ça, c'est chouette aussi, c'est nouveau ça. Si la charge que tu t'imposes est trop lourde à porter seule, alors apprends à déposer une partie du fardeau ou à demander de l'aide pour la porter. Et je dis des bêtises parce qu'il y avait ça l'année passée et j'adore ça parce que du coup, chaque semaine vous avez une petite guidance, c'est inspirant aussi. Puis vous avez les jours, vous avez une semaine du coup et euh avec samedi dimanche ici et vous avez les jours ici où vous pouvez noter vous retrouvez la phase de la lune avec le premier quartier et des infos s'il y en a et alors ici on retrouve à chaque fois euh, des petites astuces voilà comme ici parole de sorcière aujourd'hui les charges que nous portons au quotidien sont multiples charges de travail charges mentales charges affectives etc nous nous obligeons à tellement de choses que nous sommes souvent à la limite du surmenage le burnout est devenu le mal du siècle. Se respecter, c'est aussi refuser de prendre à sa charge ce que d'autres plus légitimes sont capables de faire, alors délégués. Par exemple. Alors, on a aussi euh, la pleine lune du cerf. Du coup, pareil, hein, les correspondances, un rituel à faire. Et ensuite, ben, le, les, 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 les semaines se déroulent de la même façon. Ici, on voit, on a le petit chapeau pour dire qu'il y a le sabbat de Mabon. Petit chapeau de sorcière. Je me vous montre comme ça, du coup. Ensuite, ici, on a un challenge. À la fin, on a ici une page de notes, si vous voulez écrire des petites notes. Et un challenge pour préparer l'automne. Donc, vous voyez, on a à chaque fois ici une couleur différente aussi pour différencier les mois. Et regardez les citrouilles. Oh, qu'est-ce que c'est beau, des citrouilles. Et ensuite, on passe à octobre. On va encore regarder octobre ensemble. Regardez comme c'est beau avec ces petits Bon, octobre, c'est un de mes mois préférés, hein, vu qu'il y a le sabbat de Sawin, qui est mon préféré. Voilà, donc là, ça se représente, ouais, on a toujours des beaux petits dessins. Le tracker, donc ça se présente de la même façon. Ici, on a un tirage d'octobre. Shadower, dialoguer avec nos ombres. Évidemment, on a un mot sur le sabbat de Sawin. Regardez comme c'est joli, il est tellement beau. Voilà, nouvelle lune. Même chose. Ici, on a grande famille des courches, les citrouilles, avec une recette, sirop de citrouille à l'orange. Voilà, ici, plein de lune, avec une huile à faire. Ici, mood board d'octobre. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Voilà, pareil, les notes. Et on a ça, bah, du coup, pour tous les mois. Bon, on va regarder, je vais vous montrer quelques dessins hein, quand même. Oh, celui-là, j'adore pour janvier avec la grenouille. Et regardez ici, on a des petites pensées. On va regarder quelques-uns ici, février, avec des personnages. Très joli aussi. J'adore ces petits dessins de début de mois ici. Euh, mars, pour Osta, on a des œufs dans un nid. C'est super beau aussi. Ah, le petit champignon ici. Il a des petits yeux. Regardez ici la glycine, les hyacinthes, les comme c'est beau. Bon, je vous montre quelques dessins. Hop, 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 ici aussi. Très fleuris, hein. Oh, d'ailleurs, ça fait drôle ici de voir 2025 déjà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau Un petit nichoir. On a des petites bottes. Hop, hop, hop. Ouais, Belle aussi avec la petite poupée euh, de Brigitte ici. Et ici on est nouveau en septembre avec ce fameux champignon. Et alors on a en bonus le mois d'octobre. Donc ça c'est cool. Mmh. Mmh, mmh. Alors le mois d'octobre il est comme ceci voilà. Oui parce que normalement d'ici là on aura déjà le nouveau. Hein. En octobre 2025 on aura normalement le nouveau. Mais ça permet déjà de noter des trucs. On a des remerciements. Ici à la fin, bibliographie avec bah, toutes ces références hein. tarot, oracle, livre, site internet. Donc, ça c'est chouette aussi. Puis on a les crédits photos et voilà. Et eh bien, moi je le trouve vraiment très très joli et je suis trop contente euh, bah, du coup de l'avoir pour une année en plus. J'aurais été malheureuse euh, bah, s'il si, si ne l'aurait plus fait. Voilà. Avant, c'est vrai que je prenais toujours celui-ci. Et le grimoire de pratique en plus, mais bon, celui-là n'existe plus. Donc, ben, maintenant, c'est vraiment celui-ci, et je le trouve tellement complet parce qu'on retrouve les nouvelles lunes, les pleines lunes, les fases, tout ce qui est face de la lune. Il y a des rituels dedans, euh, des guidances. Enfin, il y a plein de, de petites astuces. Euh, hyper chouette, euh, bah du coup, par exemple, ici, regardez, c'était quoi que j'ai vu passer, le euh, fragon petit ou en décembre, par exemple. Voilà. Et il est tellement ludique et, et agréable à parcourir. Euh, et en plus, moi, j'adore les petits coloriages, j'adore le tracker, ça j'aime bien aussi, hein. Pouvoir suivre les... les... Les, les émotions et tout ça au fil du mois. Ici, je, je buguais sur le camembert rôti aux noix et aux abricots. Ça a l'air tellement bon, la recette. Enfin voilà, euh, moi, comme chaque année, je le trouve magnifique. En plus, c'est du papier euh, assez épais, donc on peut bien euh, dessiner dessus, etc. Donc voilà le nouveau compagnon qui sera là à partir de septembre, du coup. Du coup, bah dites-moi dans les commentaires euh, si vous allez vous le commander, si vous avez celui de cette année, du coup avec la petite licorne. Bon, je sais qu'on est beaucoup à aimer cet agenda. Il euh, y en a pas mal encore qui m'avaient dit l'année passée dans la vidéo de présentation qu'ils l'avaient découvert et qu'ils étaient heureux euh, d'avoir pu euh, se le commander. Mais il me semble l'année passée il y a eu un bug. Il me semble qu'il était sorti euh, après le mois de septembre, mais du coup les gens avaient un petit peu euh, euh, bah, était attristé qu'ils avaient déjà raté une partie du mois. Donc, ici, on est vraiment, il sort le 8 juillet, donc on a vraiment tout le temps de se le procurer euh, avant euh, le mois de septembre. Voilà. Du coup, bah, évidemment, encore un grand merci à Véronique qui me l'a envoyé hein, pour pouvoir le partager avec vous, aux éditions Danae également. Et euh, bah, dites-moi tout dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!